Il y aura peu de publications ce mercredi, mais certains événements pourraient quand même secouer les marchés d'échange. Je suis Sinead McLaughlin et voici le calendrier économique. À 7 h du matin, nous apprendrons l'indicateur de consommation UBS Suisse pour février. L'indice a légèrement reculé en janvier, mais il n'a pas encore reflété le plein impact de la décision de la Banque nationale suisse d'éliminer le cours plancher contre l'euro. L'Allemagne va publier son sentiment économique IFO étroitement surveillé pour mars à 9h. L'indice a légèrement progressé en février à la lumière de l'optimisme croissant quant au programme du QI lancé par la Banque centrale européenne. Le Royaume-Uni publiera les approbations hypothécaires pour février à 9h30. Le nombre d'approbations a renoué avec la croissance en janvier après 7 mois de baisse. La dernière publication d'une grande importance suit à 12h30 GMT. Il s'agit des commandes de biens durables américains pour février. Les commandes ont augmenté en janvier et les commandes de base ont vu une croissance particulièrement forte. Cela conclut la liste des communiqués de presse à surveiller mercredi, le 25 mars. Rendez-vous demain pour l'aperçu des principaux événements de jeudi. Au revoir.